Exenio, merci pour le sub à la Zerator Télévision. Ezid, je t'avais vu. Even, Heavenly Sky, merci pour ton sub à la Zerator Télévision. Alors, bienvenue à toutes et à tous. On est sur PUBG. Donc, on va faire des custom games. Mais vous le savez, les soirées custom games commencent toujours par la même chose, une petite game solo, histoire de se rappeler ce qu'est le jeu, voilà, se mettre dans la peau des joueurs. C'est important pour un streamer de se mettre dans la peau des joueurs, puisqu'après on va essayer de maltraiter ces joueurs en faisant des règles un petit peu custom, personnalisées, pour rigoler. Et donc voilà, donc on va faire une petite game, voilà. Oui. Zekiro, un an de sub, ça se fête, merci beaucoup. Et donc on va faire la petite game solo, voilà, on est 100. C'est rare d'être 100 dans une game. Et voilà. Et on sait pas. Aucun objectif, hein. Aucun objectif. On peut mourir instant. Et auquel cas, on fera des custom games plus vite. On peut faire un top 1. Auquel cas, on se fera chier parce que ça va être long. On peut faire un top 90. Auquel cas, on sera jugé, mais peu importe. Rorota, merci pour le sub. Merci beaucoup. Alors, je vais aller visiter ma propriété à Rozoc. Vous savez que j'ai une propriété à Rozoc. C'est la petite maison à droite là, toit terrasse. On a fait le terrassement par un ami qui connaissait un mec qui avait vu un type à la télé, qui racontait qu'il avait rencontré un type. Voilà. Donc, par contre, ça va dropper juste au-dessus de la propriété. On va direct plonger avant les gens qui veulent dropper direct à Rozoc. Et ensuite, on fera le petit move parachute si on y arrive. Première game de la journée. Calmez-vous, hein, on se calme. Il y a des gens, il y a des gens. Mais les gens sont nuls, parce qu'en fait, les gens, ils vont au hangar de Rozoc. Heureusement, ils vont pas chez moi. Imaginez si les gens allaient chez moi. On se retrouverait, voilà, ce serait la crise du logement. Alors, il y a pas mal de gens à Rozoc, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ou 6 minimum. Alors, évidemment le jeu lag, hein, donc il faut jouer avec. 4x, oh là, mais très bon loot pour le début de game, c'est formidable. Ah, ah, d'accord. Ça lag un peu, hein, il faut être chaud. Alors, bon, on a une bonne arme, on a une battée. Et si on trouvait quelques balles? Et si on trouvait quelques balles? Comment ça, y a du drop? Mais non, il n'y a pas de drop. Comment ça, ça drop? Ah oui, il y a eu 1%. Pas 1%, il y a eu quelques images perdues. 639. Mais là, ça bouge plus. Calmez-vous. Il y a eu un petit drop. Il y a eu un petit drop, ça va, en effet. Ah, il y a eu un petit drop. Bon, si on s'avançait, j'ai presque envie de m'avancer instant. Pour faire la guerre tout de suite. Pour aller vers les hangars. Alors là, le seul problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas vraiment de balles, quoi. C'est un petit peu le seul problème. Mais c'est bien de faire la guerre instant, comme ça, on sait si la game était une game pour être bien partie ou pas. C'est ouvert, hein. Ouais, là, il y a un mec qui va aller là-haut. Donc on y va. Automatique. Le mec, il doit être dans cette grande maison. Il tire là-bas à gauche, je les ai vus. Enfin, j'ai vu une tache. Hémoglobine. Alors où sont les gens? Il est bien là, hein. Confirmed, il a essayé de prendre l'info. Ah non, il est sur le toit. Là, il est sur le toit actuellement. On va voir s'il saute. Ou s'il fait autre chose. Est-ce qu'il redescend? Est-ce qu'il saute? Je sais pas. Ah! Il y a un autre gars là-bas. Ça marche pas du tout. À moins que ce soit le même. Ça me semble impossible. Non, ça me semble possible en fait. Il est dans le cabanon là. Je dirais. Oh, c'est compliqué. Compliqué parce que j'ai pas vraiment l'info. Bon, allez, on y va, on s'en fiche. Il y en a marre. Il serait juste là sur la route. Il est où? Hein? Ok, y'a un mec là.
J'en ai marre. Du coup là j'ai plus de balles. Alors je pensais le tuer plus vite. Du coup là je vais probablement crever par un autre gars derrière. Là il a plus de vie. Donc là il est en train de se heal. Il sera forcément pas full life. C'est normal. C'est la règle du FFA. C'est normal. On tue quelqu'un, on se fait tuer par quelqu'un d'autre. Il y a aucun problème. C'est la règle du FFA. Il laguait le type. Oui, c'est un peu téléporté. Mais au-delà de ça, c'est juste qu'en fait, moi, je pensais le tuer en 2-3 balles. Et après, quand ça continue, quand tu mets 6 balles à un type et qu'il meurt pas. Non, pardon. Quand tu mets 19 balles à un type et qu'il meurt pas. Ah, j'ai crash. Bon, c'est pas grave. On relance. Bon, du coup, custom game. Parce que c'est aussi ça, PUBG. Hein. Parfois, les games sont rapides. Parfois, les games sont un peu plus longues. Quand c'est rapide, c'est pas grave. Hein? Allons-y. Alors du coup, je suis curieux de voir si... Attendez, je vais regarder un truc. Le temps que mon jeu se relance. Est-ce que... Ouais, non. Hein. J'arrive pas à avoir une qualité de VOD égale à XSplit dans OBS. Attends, là, je suis quand même en 1080-60 avec 17 000 de bitrate. Je pensais que ça suffirait. Mais ça ne suffit pas. Bref, peu importe. Alors, on va créer une game. Alors, qu'est-ce qu'on va lui dire à cette game? Avant de lui donner un nom et un mot de passe, essayons de voir ce qu'on va en faire déjà de cette game. Alors, le problème, c'est que faire des teams de 8... Alors ça, j'ai bien compris que faire des teams de 8, le problème, c'est que ça fait tout laguer. Donc, essayons une game où les gens sont seuls. Game normale, x5. Zakril, merci pour le sub. Zakril, pardon, merci pour le sub. Ok, drop x5, zone x5. D'accord. Je veux le pas à ce moment, peut-être. Si tu veux, je te le donne sur logiciel de communication skip. Donc, je vais l'appeler Zerator. Et c'est créé. Le mot de passe, c'est x5, 1, 2, 3. Vous pouvez venir. On va voir si Momo a le temps, sachant qu'il a eu le pass avant. Hein. x5, 1, 2, 3. Donc, je vous laisse. Devinez comment ça s'écrit. On verra si vous arrivez avant les autres. Il y a Matt le chat. Alors, est-ce qu'il y a Momo qui, pour l'instant, ne rejoint pas la game. Ah, un moment qui n'aura pas le temps de rejoindre la game, visiblement ce sera pour la prochaine. Dommage, mesdames et messieurs. Dommage. Par contre, commencez pas à nous faire chier avec les mots de passe sur le chat. Hein. Ok, c'est lock, tout le monde est prêt, on y va. Let's go. Moment qui a été trop lent, malheureusement. Black Iridium, merci pour le sub. Oh. Il a envoyé un petit NSM dans le chat, ce qui veut dire non sans mentir, je suis content de ne pas être dans cette game. Je viens de tester Dwarf, c'est pas mal sans deck. D'accord, Marty McFly. Ça s'écrit pas comme ça. Ah, c'est peut-être pas mon jeu, cela dit. Peut-être. Seriez-vous intéressé dans un bien avec la fibre? Rozoc Immobilier. Si vous voulez une maison fibrée, à Rozoc, nous proposons des choses extrêmement intéressantes. Merci beaucoup pour. Ce message Rozoc Immobilier. Allez, c'est parti. Non sans mal, c'est ça. Quasiment. Non sans mentir, ça se traduit par Friday, non? C'est ça, exactement. Non, Friday, ça veut dire semaine, vous savez bien, putain. Suivez un peu, Friday, ça veut dire semaine. Ok, alors on est ici avec tous nos jolis concurrents. Je vous rappelle qu'il ne faut pas bind les gens, sinon on plante. Donc voilà, on est là sur PUBG, on est extrêmement content. Putain, 30 FPS le mode Ops. Là, je suis à 26 FPS. Quand même insane. Mister 5915, merci pour le sub. On a Eyes of Sin, on a Matt le chat. On a des gens qui viennent hein, pour le jeudi, pour les games custom PUBG, ça fait plaisir. Salut à toi, Alex Avocat, merci pour le sub. Et il y a deux mecs qui ont jamais join. Hein. Il y a deux mecs qui ont eu le mot de passe, mais ils ont pas voulu join. Ou alors on était 98 et j'ai pas vu. Tant pis.
25 FPS fixe. Et si je vais là, 37 FPS, 45 FPS, 46 FPS. Et si je regarde ici, hop, 25 FPS. C'est de la merde! Allez, ça va commencer dans 35 secondes, mesdames et messieurs. Donc je vous rappelle les règles de la partie. 5 fois plus de drop. Et aussi 5 fois plus de rapidité dans la zone bleue. Donc 5 fois plus de temps à pop, 5 fois plus de temps pour 5 fois plus de rapidité pour rétrécir. Pour rétrécir. Elle rétrécit 5 fois plus vite, elle apparaît 5 fois plus vite, on a 5 fois moins de temps pour qu'elle se rétrécisse, etc., etc., etc. Je vous rappelle, si Matt le chat fait 2 top 1, il sera débanni de la Zerator Télévision. Il a été banni pour stream hack. Keops, merci pour le sub. Il a été banni pour stream hack et il a été apparemment report chez Juice également comme stream hacker, même s'il dit le contraire. Mais devrions-nous croire un stream hacker? C'est ce que je vous demande. Allez! Bah voilà, tout le monde a quitté le spawn, c'est bon, j'ai full FPS là, je suis grave content. Non, en vrai, non. En vrai, c'est plutôt si je me mets là que les FPS augmentent, voilà, à hauteur humaine. Ça augmente un petit peu. Allez, c'est parti! Donc, où est-ce que les gens vont décider de drop? On peut drop à partir de maintenant et les gens ont choisi de se mettre côté military. Et là, il va falloir être très attentif avec le jeu, puisqu'en fait, je vais pas le dire pour pas que les stream hackers en profitent, parce que je sais qu'il y a des stream hackers, mais en fait, eh bien, mesdames et messieurs, le truc c'est que la zone a déjà pop. Donc en fait, tous les gens qui drop à partir de maintenant sont des gens qui n'ont pas ouvert leur carte ou qui n'avaient pas compris ou entendu la règle. Et tous les gens que vous voyez ici, là, tous ces gens qui sont là, voilà, tous ces gens, Narum, Yutal, Lucky, voilà, là ils ont entendu parce que c'est le stream hack, du coup ils ont go. Et ça, c'est des gens qui stream hack pas, qui juste, ben voilà, n'ont pas compris la règle, n'ont pas voulu tricher, donc ne stream hack pas, mais aussi n'ont pas ouvert leur carte. Et on aura 2 AFK du coup, hein, il me semble, pour cet avion. 2 AFK, c'est quand même incroyable de rejoindre une game viewer et d'être AFK. Je comprends pas vraiment le principe, si quelqu'un pouvait m'expliquer. Voilà, nous avons 2 AFK, il s'agit Emile JM, ah, qui n'est plus AFK visiblement, donc Emile JM qui n'est plus AFK, et une autre personne qu'on ne peut pas, dont on ne peut pas avoir le nom, c'est bien dommage. Salut à vous deux, les subs, non, vous trois, Keops, Skyda et Skyvalow, merci pour le sub à la Zerator Télévision. Voilà, Emile JM qui est là, et qui en plus, alors là, rien compris, puisque là, il est complètement... Il n'a rien compris. C'est-à-dire qu'en fait, la zone commence à rétrécir. Hein, et elle rétrécit 5 fois plus vite. Et donc lui, il est là, il comprend rien à ce qui se passe. Hein, Emile JM, typiquement, il a l'air d'être un petit peu FK aussi. Donc ça, c'est une personne qu'il faudra bannir des prochaines games, hein, bien sûr. Hein, qui vole des places aux autres et qui est un salaud. Calmez-vous. Alors, il y a déjà des kills, mais tout ça, on s'en fout, évidemment. Là, il y a un mec dans chaque maison, quasiment. Ça va charger les bâtiments. Hein. Pour l'instant, ça va être assez compliqué. Vous voyez, on a l'impression qu'ils se battent dans la pampa, mais en fait, non. Hop, les maisons apparaissent, et il y a quasiment une personne par maison, et la zone est déjà en train de rétrécir, mesdames et messieurs. On va assister à la fin du premier shriek. Salut Zera, vieux de l'homme, qui te dit depuis longtemps, j'ai réussi à rendre ma copie d'accro à TVOD, j'en profite, je t'aime chaton, merci beaucoup chaton pour ton message. Pawat qui s'en va avec le buggy. Pendant ce temps-là, on a quoi? On a Mambo qui a un petit magnum, Gano qui a un petit flingue, Naomi qui n'a rien du tout, sauf un cocktail molotov et qui campe sur son toit. DF on fire, merci pour ton sub à la Zerator Télévision, Much Zer, qui est ici également. Alors là, on va commencer à avoir les premières personnes qui vont commencer à prendre des dégâts de zone. Voilà, Silicine, Kalagan 117, A Lost Pony. Et là, eh bien, figurez-vous que la zone rétrécit dans 30 secondes, comme vous pouvez le voir. Donc ça va extrêmement vite, hein. Pas forcément des AFK, juste des bambous PC qui chargent très lentement. Ouais, mais bon. Du coup, il s'agirait de pouvoir drop avant que l'avion arrive à la fin. Alors, on se tire dessus. Zika qui tire sur Goladan. Gano qui arrive de l'autre côté. Ah, j'ai cliqué sur quelqu'un d'autre visiblement. Merci à ce mode observateur. Vraiment extrêmement pratique. Je voulais cliquer sur ces personnes-là. Oh, il est là. Il tire sur Zika. Il a réussi à lui tirer dessus. Il était monté sur... Il s'est fait tuer par Goladan. Malheureux. Malheureux Goladan, et il y a quelqu'un derrière lui qui va aller chercher son loot, voilà. C'est Nomi, bien sûr. Goladan, il était de l'autre côté, il s'est retourné, il a mis 2 balles dans la gueule. Non, je sais pas où il est, Goladan. Il est où, Goladan? Et voilà la zone qui arrive, regardez là. Voilà, la zone qui commence à avancer encore une fois. On est près du pont, pas mal de kills près du pont, mesdames et messieurs. Comment ça se passe? On a Franky, Dashar, Mephisto, bien sûr. Oh, un coup de quart dans la gueule de la part de Franky, va-t-il réussir à mettre la deuxième balle? On connaissait Franky, bien sûr, vous l'avez déjà vu dans un clip. Qui bien sûr avait son aventure au pied de biche avec son pote. Ok, il a été tué par
la zone, par la zone de jeu. En fait, tous ces gens vont mourir de la zone, donc ce n'est pas très intéressant. Ce sont des gens qui n'avaient pas compris et qui n'avaient pas ouvert la map. Terrible. Mephisto. Attention. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il attaque le mec devant. Première balle de car ratée. Deuxième. Ah, bah, du coup, ça meurt de la zone. Mephisto est juste derrière lui. Il a toujours pas compris que son adversaire était derrière lui. C'est terrible. Va-t-il mourir? Va-t-il mourir cependant des mains de son adversaire? Ou sont-ils en train de team peut-être? La réponse est non. On a pris une balle de car. Mephisto ou. Eh bien. J'allais dire. Ce bon vieux homme dont j'ai oublié le pseudo, c'est terrible. Eh bien, finalement, il est mort. Alors, on se rapproche de la zone. Regardez tous les véhicules qui sont en train d'avancer. C'est très révélateur des dégâts que commence à faire la zone qui sont assez puissants. On voit par exemple ici Stalker qui est en train de mourir et qui sait, hein, qui n'a aucune chance de survivre. Bien sûr, en tout cas, s'il ne le sait pas, je suis ravi de lui apprendre. On a Kerda KF devant. Il a essayé de tuer l'autre, qui essaie de tuer l'autre. Formidable! Attention, il va peut-être se faire écraser. Non, il ne peut pas écraser. Va-t-il pouvoir avoir qu'elle a mis sur moto? Oui, il l'a eu. La moto se renverse. Est-ce que Kerda KF va pouvoir récupérer sa moto? Est-ce qu'il va pouvoir anéantir son adversaire derrière lui? Il l'a eu. Mais il va mourir de la zone, mesdames et messieurs. Oh là là, Kerda KF qui va mourir. Il y a une moto ici. Malheureusement, c'est terminé. Au revoir. C'est la mort. La zone commence à faire extrêmement mal. Les gens se tirent dessus. Et on va arriver en fin de zone, en fait, avec que des gens qui ont, bien évidemment, des véhicules. Des véhicules. Et oui, et on va se mettre en fin de zone ici pour pouvoir voir un petit peu comment ça se passe et surtout pouvoir charger un petit peu le terrain pour avoir un petit peu moins de lag au niveau du mode ops. Macaron Twitch ici qui drop, qui prend son shotgun. Attention, il y a Joel derrière au flingue. Va-t-il pouvoir l'avoir? Oh, il l'a vu se cacher en rampant. Joel qui s'avance. Joel est pas content. Il passe derrière l'arbre et bam! Bah, ça c'est fait. Est-ce que Tonton Pastis va pouvoir écraser Joel? Pas encore. J'espère que des gens ont d'huile et ont eu le temps de goûter des choses. L'avion qui passe, qui va faire un petit drop au milieu de cette zone. Ça c'est pas mal. Drop maintenant. Voilà, ça a été droppé. Dernière zone de jeu. On a Joel qui est à pied, qui prend un petit peu de dégâts de zone, qui fait extrêmement mal. Tonton Pastis, Souko, Gridash, Julien BZH35, Click, Doris, génial, merci beaucoup pour cette poésie. Le drop qui arrive. Le drop qui arrive qui pourrait faire mal. Hein. Drop qui, franchement, est extrêmement bon, à mon avis. Ouais, c'est pas top. C'est pas incroyable. Ok. Alors ils sont là, ils sont plus que 5. Tonton Pastis qui va écraser Joel. Il nous reste Julien BZH, Click Toris et Gridash, mesdames et messieurs. Julien BZH, tellement peu d'HP. Gridash n'a pas de véhicule, mais il a une arme. Attention! Pas qu'il se fasse écraser, faut qu'il fasse très attention au véhicule derrière lui. Il peut gagner, hein. Il peut gagner parce que c'est un peu le seul qui a une arme qui peut gagner. Attention, dernier shrink, ça se resserre. Les voitures vont commencer à être useless. Puisque bien sûr, les voitures, en faisant quelques virages, vont commencer à prendre pas mal de dégâts. Et voilà, ça meurt. C'est la finale avec Gridash qui a une arme et qui gagne. Parce qu'il a réussi à looter, mais à se propulser dans la zone du milieu. Bravo à lui, c'est logique. Une victoire logique. Une victoire logique. Capepito top 7 avec 3 frags. Bien joué, mon gars. Franchement, ça a pas duré très longtemps. C'était assez rapide finalement. Bon, maintenant on va juste en refaire une. Refaisons-en une exactement avec les mêmes settings pour voir. J'avais fait quoi? Oui. J'avais fait quoi? Refaisons la même mais en team de 2. Activez votre vocal. x5 en circle speed, x5 en drop. C'est la même. Ryoa78, merci pour le sub. Je vais la partie, elle s'appelle la même. Allez, moment, je t'ai passé le pass. Normalement, c'est host, il peut rejoindre. Et une fois qu'il aura rejoindu, je vous passerai le mot de passe. Vous pouvez le trouver, le mot de passe, en vrai. Mais plus de véhicules STP. Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas, en fait. Mais sinon, pas de problème, hein. Aucun problème. Pas de soucis, on peut rajouter des véhicules? Non, on peut pas. Regardez le temps que Moment met à rentrer dans la game, quoi. Ryoa78. Ah, ils ont trouvé. Alors, le mot de passe, c'est Moment123. Vous pouvez venir. Voilà. Activez votre vocal. Là, si c'est pas encore fait, allez dans vos options et activez votre vocal. Comme ça, vous pourrez parler à votre teammate. Moment, active ton vocal. Donc, Moment, j'espère que t'as compris la game. C'est x5. Tout est en x5. J'espère que vous avez tous compris la game. Allez, on est full. Voilà, on est 100. Tout va bien. Ça va se lancer bientôt.
Donc Moment est avec Ephiras. Un poulet rôti, the salt banana, Mephisto. Donc c'est exactement les mêmes settings. Ah, y'a un mec qui est tout seul. Pas de chance. Ah mais oui, c'est normal parce que je suis là, je prends un slot. Désolé Cloug. Gilles Pepsi, merci pour le sub. Désolé Cloug, c'est ma faute si t'es tout seul. Tant pis. Tant pis, tant pis. Pas match au chat. Pas de match le chat, je crois. On va pas se faire carry. Est-ce qu'on est bon là ou pas? Initializing server, please wait. Donc Ephiras, Moment, vous êtes ensemble. Ça va être un petit peu notre fil rouge de la soirée, de la partie. On verra où est-ce qu'ils drop, où est-ce qu'ils décident d'aller ensemble. C'est ce que nous verrons. Je sais pas comment écrire Moment, quel inculte je suis. Et oui, malheureusement. Hein. Terrible. Ah, c'est Capepito qui nous dit je suis avec Matt le chat. Ah, il est là alors. Formidable. Moment, il est là. Ah, et vu que j'ai cliqué dessus, ça m'a mis quelqu'un d'autre. Logique. Ah, donc c'est vraiment de la merde. Ah, je veux pas, ne veux pas que je spec mon nom visiblement. Bon, je l'ai bindé. À mes risques et périls, j'ai bindé Moment. C'est-à-dire que là, si j'ai cliqué sur 1, ça revient sur lui. Non, j'ai rien sur... Ah, est-ce qu'on voit des noms qu'on connaît là? Les gens tirent, c'est insupportable. Voyons voir. Y a Frankie, qu'on vient de voir. Barry Wipe, que j'avais déjà vu. Qui on a d'autres? La partie commence dans une minute. Est-ce qu'on voit mettre le chat? On ne le voit pas actuellement. Mais je ne vois pas. Et quel tal Nova 6. Et Nova 6. Alors. On ne voit pas. On ne voit pas. En gris. Ah oui, il est là. Juste devant. Il est avec Capepito. Capepito qui a fait le maximum de frags à la game d'avant. Avec un peu de chance, Matt le chat se fera carry. Pourquoi pas? Allez, la partie commence dans une quinzaine de secondes. Je vous rappelle que. La zone apparaît pendant que vous êtes dans l'avion. Allô? Donc dropper en fonction de ça. Sachant que là j'ai un petit peu décentralisé la zone, donc elle pourrait très bien être à l'opposé de l'avion. Et voilà. En fait d'ailleurs je sais même pas si la zone peut pop extrêmement loin de l'avion ou si elle est quand même toujours un petit peu sur la trajectoire de l'avion quoi qu'il arrive. Alors on va s'ouvrir la carte. Avant de regarder ce qui se passe, il y a Keizu qui est encore là, mais vous en faites pas, ça va bouger tout de suite. C'est un petit bug. Tout va bien pour lui, ne vous faites pas d'inquiétude. Alors, est-ce qu'on va avoir une zone, vous voyez, plutôt genre ici? Est-ce qu'on pourrait avoir une zone full sud, là, par exemple? C'est ce qu'on va voir, peut-être. Parce que là, effectivement, j'ai mis la zone. Ok, bon, ça va, c'est ultra safe. Tout le monde va être dans la zone, quasiment. On va voir ce que choisissent nos amis Moment et... Je ne sais plus le nom de son adversaire. Ephiras, son nom de son copain. Ephiras. Alors ça va peut-être aller shooting range ou Severny. Tout le monde va aller Severny. Alors là, Severny, ça va être un bordel. Ça va être un bordel monstre. On va voir shooting range, on va voir Severny, Yasnaya Poliana. Souvenez-vous que la zone rétrécit 5 fois plus vite. Donc ça devrait se finir à peu près par là, dans le milieu de la Pampa. Cela dit, ça peut aussi finir au sud, hein, au sud de la petite rivière, donc vers School, Rozok et tout. Là, en vrai, il faut choper un véhicule absolument. Oh, Moment et Ephiras qui ne jouent pas ensemble. Moment qui va jouer Severny et Ephiras qui va jouer Shooting Range, donc c'est très différent. Allons vers le Shooting Range, voir un petit peu ce qui se passe et voir qui va dropper en premier pour faire les premiers kills, mesdames et messieurs. Il s'agit de Zephyx, Zuzu, Adakors, Jaina, Jaina Brunemore. Et où il est, le pote de Moment, là? Ok, Moment est là-bas. Ok. Carotte biscuit. Zuzu qui a un S12K. Ça va faire très mal, attention Zephyx. Et bam. Et de 1. Il y a leur équipe, hein. Ils peuvent aller se reste. Jaina qui voit son pote mourir. Et ce sera presque le first blood. Il y a eu un petit peu des kills de tous les côtés. Alors que pendant ce temps-là, Moment a percuté Was2S avec un véhicule. Il a fait son premier kill. Zika45, merci pour le sub. Où est Moment? Il est là. Moment est ici, il est en plein Severny. Il faut qu'il aille looter un petit peu, mais j'ai pas envie trop de regarder Moment parce que j'ai pas envie qu'il se fasse streamhack au début. J'ai envie qu'il arrive à récupérer une arme et à faire ses petits trucs, donc tranquille. Un Nova 6, on s'est rassemblé avec son pote. Carotte Biscuit qui est poursuivi avec son arbalète. Il est poursuivi par Rubix. Il a été mis à terre, mais je vous rappelle, on peut reste son pote.
Et ce sera sans compter sur l'exécution sommaire de Rubik qui va se saisir de ses points. Ah, il sait pas comment on fait, malheureusement, il ne sait pas ranger son arme. Donc il ne pourra pas le buter, il s'est trompé de touche, il s'est mis à ramper, ça y est, il a enfin trouvé la touche. Et maintenant, il va pouvoir assommer Carotte Biscuit, c'est fait. Attention, il y a Joel qui arrive avec un petit UMP. C'est fini pour Rubik. On a Jaina qui reste, c'est peut-être lui qui va gagner le shooting range, qui sait. Est-ce que Joel va réussir à gagner le shooting range? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que celui qui gagne le shooting range, en effet, aura pas mal de loot hein, par rapport à son adversaire. Bon, il ne se voit pas. Il ne se voit pas pour l'instant. Jaina qui, quand même, n'est pas dupe, hein, bien sûr, qui a entendu les petits bruits, qui se cache, qui sait pas trop où aller chercher l'information. Alors, on va se calmer avec les interfaces, parce que bien sûr, là, nous on le voit, mais lui il ne voit pas forcément. Alors là, il doit le voir, cela dit. Hein. Je pense qu'il le voit quand même en third person. Est-ce qu'il va foncer? Est-ce qu'il y a un véhicule? Pas vraiment de véhicule. Ça se dirige vers Severny, côté Joel. Tu peux le faire, Matt, le chat. Alors, attention, là, il y a. Was2S, oh putain mais il a été raise par son pote. Was2S qui avait été percuté par moment. Attention quand même. Parce que là c'est vrai que du coup on écrase des gens. Bah il faut repasser dessus pour refaire deux fois les dégâts. Attendez, ça s'est battu là-bas. On a Klusuku qui est à terre. Poulet robot juste à côté d'eux. Voilà, ça a été raise. L'escouade de 2 qui progresse. Moment en train de looter là-bas. Attention, Ephiras qui a peut-être chopé l'info sur Cabillo et Dynamic Focus. En tout cas, Dynamic Focus qui a été vu par Cabillo. Et Firas qui est juste derrière. Va-t-il y avoir affrontement? C'est très probable. C'est très probable. On a Novasix aussi là-bas qui a pris un bateau. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ah, ils se disent peut-être que la zone finira là-bas. On a déjà une zone qui s'est rétrécie. On est déjà assez près de Severny quand même. Cabillo juste ici. Moment pas très loin. J'espère qu'ils vont penser à beaucoup bouger. Comme souvent dans les game stream hack, hein, évidemment. Je vous rappelle qu'on a aussi les drops en x5, donc c'est une bonne manière d'aller un petit peu snowball, d'aller snowball une arme de qualité, évidemment. Qu'est-ce qu'il faut qu'il se tire dessus ou quoi? Calmez-vous. Hein. Alors où est le drop? Le drop va arriver, je sais pas si quelqu'un va aller le chercher. On va aller voir ce qu'il y a dedans. Ça va dropper bientôt, je pense. Ok. Donc. Ok, AWM. AWM, c'est pas mal. AWM, lunette 8X. Ouh, il y a pas mal de gens sous ce drop. Je pense que ça va aller le chercher, mesdames et messieurs. Pas mal de gens qui vont être intéressés par cette grande caisse avec AWM qui arrive. Donc là, je vous avoue que ce serait pas mal d'essayer de suivre cette petite caisse qui tombe. On a The Salt, Bae, Yogs, Game Over FR. Oulala, attention. Attention. Poursuivi par les deux qui ont des armes. Merci Zera pour ses fourrures. Tu es bien le seul qui me remontait le moral car j'ai bien essayé de rebondir sur mon trampoline, mais bon. Merci à toi. Merci beaucoup. La caisse tombe. Et pendant que la caisse tombe, des ennemis tombent. Attention! On a raté les écrasages. Deuxième écrasage peut-être. Ils ont tellement de HP les deux là. Balibum 72 et son pote. Ok, Yogs qui est derrière le caillou. Poursuivi par Game Over FR. Et son pote. Attention. Oh! Il savait pas! Il l'a attaqué au point. Bon voilà mec. Je te souhaite bonne chance. Mon cher Yogs. Yogs même. Mais le pote de Game Over FR, lui, a été attaqué par un autre côté. Oh là là, alors que ça écrase. En veux-tu, en voilà. Moment qui va peut-être se diriger vers le drop. Ça y est, le drop est tombé. Le drop est tombé. AWM, sac à dos 3. Il a tout pris. Game Over FR, il est en train de tout prendre. Il n'a pas pris les balles. Si, il a tout pris, c'est bon. Il a tout pris. Il faut qu'il arrive à recharger maintenant. C'est-à-dire qu'on a non seulement le drop, mais en plus, on est en zone finale. Moment qui a un véhicule. Je pense qu'il a aussi, voilà, il a aussi une arme. On va se focaliser sur le joueur moldavo franco-espagnol. Moment avec son adversaire, avec son acolyte, pardon, vont-ils pouvoir faire le top 1? Ça fracasse de la voiture dans tous les sens. Ah, attention, Théo n'a pas été vu. La zone qui va commencer à faire mal, on est sur une zone extrêmement restreinte. On a 16 personnes encore en vie. Moment qui décide de ne pas sortir de sa voiture pour l'instant. Catastrophique, voilà. Il y a des gens qui évidemment n'ont pas de véhicule. C'est plus difficile pour eux. Difficile de sortir de sa voiture, bien sûr. En tout cas, le pote de Moment, lui, est mort. Moment a très peu d'HP. Moment est mort. Moment est mort dans sa voiture. Je crois qu'il est mort de la zone. Comme un caca humain. Non, c'est Dachar qui a tué Moment. Attention, Matt le chat. Va-t-il pouvoir faire le top 1? Et non, car il vient de mourir de la zone comme un caca humain. Et c'est finalement Dachar et Thorvald qui gagnent avec 7 frags dans un bordel monstre. Deux fins de zone, Orion Twist et Benji 16EBC top 2. Matt le chat, top 4, toujours pas, hein, toujours aussi mauvais. Moment infrag quand même, on l'aura vu. Alors non, on l'aura pas vu, c'était le mec qui l'avait mis à terre au début avec la voiture. Dommage. Bah écoutez, on a fait 7 frags quand même, hein, côté Dachar et Thorvald. Bravo, Dachar qui était déjà dans les fins de zone à la première game. Franchement, GG.
Franchement, GG. Dommage, dommage, dommage. Hein. C'est n'importe quoi, mon mate fait que me TK. Ouais, 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 c'est... ça parle, hein, évidemment, mais moi, ce que je vois, c'est que ça n'a pas gagné la partie, donc dommage. Un petit peu dommage. Bon, en tout cas, on va se retrouver dans 5 petites minutes pour continuer quelques games custom sur PUBG. Courage, ne perdez pas espoir, on revient, et peut-être vous allez pouvoir jouer. Je peux pas acheter une caisse, là? Non, 2300, putain, c'est de la merde! Allez, on revient. Ne bougez pas, tout de suite. Dans 5 petites minutes, on continue les custom games de PUBG. We'll be right back.